Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous présenter ce que j'ai acheté chez Action, donc un petit haul Action. J'espère que ça vous plaira et je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont envoyé un mail pour connaître mon adresse, pour m'envoyer une petite carte pour mon anniversaire et également ceux qui m'ont envoyé un message sur Instagram. Donc je vous remercie les filles, je vous fais d'énormes bisous, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai reçu quelques messages pour savoir si j'avais reçu déjà certaines cartes, donc oui, donc celle de ma coco déjà, mais comme je dis, je préférerais vous remercier de vive voix. Et la seule chose dont je peux vous parler, ce sont sur mes vidéos. Donc je rouvrirai vos enveloppes en vidéo quand je ferai ma celle de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Merci beaucoup et on va voir tout de suite ce que moi j'ai trouvé à Action. Donc je suis allée à Action de Brétigny dans le 91 et là ils étaient en train d'en mettre des tonnes de tout, toutes les choses dont on recherche, les palettes, tous les masques, enfin ce que moi je recherche, et là tous les rayons étaient en train de se blader. Et en plus ils mettaient des coffrets de produits, de gel douche, il n'y avait pas encore les prix dessus, donc j'en ai pas pris, mais c'était quand même, j'ai jamais vu autant de choses qui arrivaient, il y avait des cartons partout qui n'étaient même pas encore en rayon. Donc j'ai pris un peu plus de choses que d'habitude, je vais vous montrer ça tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'espère que ça vous plaira. Et on y va tout de suite. Déjà j'ai pris un produit de la marque Sandil. Donc c'est ma fille qui m'a dit que c'était un produit qui sentait super bon, qu'elle aimait beaucoup. Donc je me suis dit, pour le prix, je vais tester. Parce que la plupart des choses, je me souviens le prix, mais mes enfants m'ont perdu le ticket de caisse. Certaines choses, bon, déjà en plus, les jouets, certains chocolats, certaines choses comme ceci qui ne peut pas rester longtemps dans le sac. Donc un litre comme ceci et je l'ai payé 99 centimes je crois, mais ça sent pas trop, enfin, ça, et ça tient pas non plus. Ensuite dans les promotions j'ai pris deux bidons de Ariel comme ceci de 16 lavages, donc Ariel Color Steel et original, qui était dans les promotions. Donc ça c'est bien, c'est qu'il y a le petite capsule pour mettre dans le bac de la machine. Parce que moi j'ai tendance à utiliser énormément d'en mettre trop dans ma machine quoi. Donc je prends toujours des pastilles, mais là pour le prix, donc au lieu de 2,90, au lieu de 3,99, ils étaient à 2,99. Donc ça valait le coup quand même. Il y a quand même 592 ml. Donc ça c'est super. J'adore en plus l'odeur de l'Ariel et l'Ariel Style encore plus. Ensuite, dans le ménager toujours. Enfin le ménager, le papier toilette. Voilà, il est super épais, en plus il y en a pas mal dedans. Chaque fois que je vais acheter Action, j'achète mon papier toilette. D'habitude je prends les plus gros, mais là il n'y en avait pas, ils n'étaient pas encore mis en rayon. Ensuite, toujours dans le ménage, pas du papier toilette ce coup-ci. J'ai pris deux paquets comme ceci, de là j'en ai utilisé déjà un. Donc ce sont des chiffons à ménage, comme ceci. Donc ils font 40 par 40 cm. C'est du microfibre, voilà. Donc ça c'est super et ça n'est pas donné. Et là ils étaient 1,70€ les 5. Donc j'en ai pris deux paquets. Ensuite j'ai pris, mon fils s'est choisi, une petite boîte de mouchoirs, juste parce que c'est mignon, parce que des boîtes de mouchoirs j'en ai déjà, mais il n'y a pas le petit dessin dessus, mignon. Donc il l'a pris quand même. Voilà. Ça je sais pas le prix, mais c'est pas cher. Hein. Et ensuite... j'ai pris des petits biscuits comme ceci. Donc ce sont des, comme des petits cigares, vous savez là. Et c'est fourré à la vanille. Donc je voulais goûter. Voilà, c'est pareil, j'ai payé ça 70 centimes. Je prends un truc comme ça. C'est parfait. J'ai pris ceci. Voilà. Donc ce sont des graines de... Ce n'est même pas des graines de sésame. Ce sont des graines de pipasol caramélisées. Goûter. Ensuite j'ai pris du Toblerone comme ceci,
Donc au lieu de 1,70€, ils étaient à 79 centimes ou 70 centimes, un truc comme ça. Donc j'en ai pris un comme ça et 4 comme cela au chocolat blanc parce que j'adore. Ils sont super bons. Ensuite, donc vous voyez, il y en a encore. Je continue. J'ai essayé de faire un peu tout ce qui est nourriture. Ensuite, je fais cosmétique. Donc, j'ai pris celui-ci aussi. J'en ai déjà mangé un. Donc, c'est aux graines de sésame. Celui-ci est cacahuète, donc caramélisé. Comme ceci. Sésame et donuts. Caramel bar. C'est trop bon, j'adore. Même que j'ai pas le droit, j'en mange. Ensuite, j'ai pris donc ceci. Ce sont des éclairages pour mettre à l'extérieur qui se rechargent au soleil et qui s'allument tout seul la nuit. Donc en plus, il y a un détecteur pour quand vous passez devant qui se met en route. Donc j'en voulais plusieurs, mais il n'y en avait plus qu'un. Ça, je sais que ça coûte 4€, mais ils sont super bien. Voilà. Et en plus, c'est protégé de la pluie. Il est waterproof, 100% waterproof. Donc, c'est super bien. Ensuite, dans la déco, je me suis trouvé ceci. Un petit ananas couleur or. Il n'y en avait plus qu'un seul. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Quand je vais y retourner, il y en aura des nouveaux. Donc, 1,99€. Il est super beau. Ensuite, j'ai pris des bougies chauffe-plat comme ceci. Donc il y a deux, trois senteurs différentes que je pourrais pas vous dire, mais c'est pas grave. Ils sont super bonnes, mais moi je les ai pris, je voulais surtout des blanches. Bon là ils sont parfumés aussi les blanches, mais moi je les voulais sans odeur. C'est pour mettre, vous savez, dans mon chauffe-plat pour faire brûler mes tartelette Lucky Candle. Donc je voulais pas que les odeurs se mélangent, mais comme il n'y en avait plus de blanche, du coup j'ai pris quand même celle-ci. Et c'est pareil, je les ai payées 99 centimes, je crois, un truc comme ça, c'est pas cher. Ensuite, dans la déco, je me suis pris des petites pommes comme ceci sur des tiges en bois, mais moi je vais enlever les tiges en bois, ils sont verts d'un côté et rouges et vertes de l'autre. Je les ai pris pour faire essayer de faire de jolies photos sur Instagram. Ensuite, je les ai pris en rouge comme ceci. Donc, ça fait des petites pommes d'amour en polystyrène. Hein. Vous pouvez les mettre dans vos fleurs, si vous voulez. Et j'ai pris celle-ci qui est des petites noix de coco. Voilà. Ensuite, toujours pour ma déco sur Instagram, il y en a en carré et moi j'ai pris en rond. Donc c'est un miroir comme ceci. Je trouvais super joli et je crois que j'ai déjà vu des filles faire des photos avec cela sur Instagram. Et je trouve ça super joli. Donc j'en ai pris un. Et c'est pareil, je l'ai payé 1,99€. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ceci, cadeau. Voilà, parce que je voulais faire des petits cadeaux. Et puis du coup, le cadeau, je l'ai emballé dans autre chose. Donc voilà. Excusez-moi. J'ai attrapé la grippe et maintenant je tousse comme je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas partir. Et spécialement, on tousse toujours quand on fait des vidéos. Enfin, moi, c'était surtout ça. Ouais. Donc, ensuite, j'ai pris dans le make-up. Donc, j'ai pris une base comme ceci. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler. Je voulais tester. On verra si ça marche bien. Donc, ensuite, j'ai pris Hydrakine, voilà, ce sont des 10 ml. Donc j'ai pris la bleue, la blanche et la rose qui est illuminating. Donc je pense que ça doit être un humiliateur, la base, et ça doit être une hydratation ou une base hydratante, je sais pas, mais c'est pas grave, ça servira. Je regarderai si c'est marqué en français derrière tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris des masques visage comme ceci. Il y en a deux de 8 ml. Voilà, pour tester également. Ensuite, j'ai trouvé encore des masques. Donc là, je vous dis, il y avait la cargaison dans le magasin, mais j'en ai pas pris énormément. Donc j'ai pris deux masques visage
comme ceci en tissu au charbon. Voilà, c'est pareil, c'est pas cher, je me souviens plus. Je crois que c'est 70 centimes, un truc comme ça, ou peut-être même pas, je sais plus. Et ceux-là aussi pour les lèvres. Alors, comme je fais des petits concours souvent, et puis j'aime bien, et les gens aiment bien les petits masques, hein. Quand j'en vois, j'en prends d'avance. Voilà, ma petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais à tous d'énormes bisous, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous relire, ça me fait vraiment super plaisir. À liker ma vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide à continuer parce que souvent j'ai très 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 souvent envie d'arrêter ma chaîne. J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout, donc j'essaye de motiver, c'est pour ça que je garde les choses parfois très longtemps. Et après je me dis, je vais quand même faire une vidéo pour partager avec vous mes petites trouvailles, ce que j'achète ou autre chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous, salut tout le monde.